Nicolas, Secret Story, Chargeant de Molle, la production m'a fait passer pour un con. Nicolas, ancien candidat de Secret Story, a poussé un coup de gueule à l'encontre d'Anne de Molle. Il dénonce certaines de leurs pratiques. Entretien. C'est du foutage de gueule. C'est en ces termes que Nicolas, ancien candidat de Secret Story, a dénoncé les pratiques d'Anne de Molle. D'ailleurs, sur Instagram, il a publié un cliché sur lequel on le voit faire un doigt d'honneur. Ça c'est pour les fils de pédants de Molle, Secret Story, a-t-il écrit sur cette photo. Dans Secret Story, les candidats sont des marionnettes, assure celui qui nous avoue néanmoins ne pas avoir pris le temps de lire le contrat qu'il a signé avec eux. Ils prennent les téléspectateurs pour des abrutis, ajoute-t-il. Et pour cause, selon lui, Anne de Molle procéderait à des missions, afin de rapprocher ou au contraire éloigner certains candidats. À l'antenne, il ne dévoilerait pas aux téléspectateurs qu'il s'agissait d'une mission. Nicolas révèle par exemple qu'il n'a jamais eu de sentiments pour Coralie et qu'il avait été manipulé par la production. On lui a promis de l'argent s'il lui faisait croire qu'il était amoureux d'elle. Les téléspectateurs n'ont jamais découvert qu'il s'agissait d'une mission. Tu ne peux rien faire pour changer ton image. On m'a donné l'image d'un canard. On m'a pris pour un con, regrette-t-il aujourd'hui, se considérant être le dindon de la farce de cette saison 9. Depuis, cette image lui a collé à la peau. Dans les autres émissions, c'est-à-dire, Rien Trip et Les Anges, Nicolas explique que les productions ont continué à le faire passer pour un candidat qui ne disait rien. Tu ne peux rien faire pour changer ton image, une fois que tu es passé dans Secret Story, conclut-il. Nicolas a récemment été contacté pour participer au Prince de l'Amour. Il a refusé, étant déjà en couple. Contacté par Nos Soins, la production a démenti ses accusations en affirmant qu'aucune mission n'est cachée aux téléspectateurs.